Nothing go. Bonjour et bienvenue à Sojibank Saturday Startup. Bienvenue à Sojibank Startup Saturdays. C'est une grande joie pour la Sojibank d'être à nouveau avec vous, mais cette fois-ci en ligne pour une présentation de Roch André sur comment présenter son entreprise pour convaincre. Mais avant d'aller plus loin, il nous est impératif de faire un petit récap de la dernière session de Sojibank Startup Saturdays. Dans notre première séance, nous avions eu avec nous Marc-Alain Boussicot, fondateur et directeur de Bunch, qui nous avait présenté les différentes étapes pour monter son entreprise. C'était un événement qui était vraiment intéressant et qui a un pile de jeunes qui étaient sous place, qui étaient apprendre un pile de bagages. Et c'est ça qui, derrière l'initiative, ça avec le groupe Sojibank, pour nous réunir jeunes, pour nous faire des formations de qualité, pour nous aller avec, pour nous accompagner. Pas oublier que le slogan Sojibank lancé, toujours bon côté. Sojibank vient comprendre ça, donc on a une prendre décision pour nous venir plus avec la jeunesse, d'organiser des sessions. Malheureusement, et conjoncture oblige, nous sommes obligés d'être en ligne à cause de COVID-19. N'oubliez pas les mesures barrières, lavez mes mains, mettez masque et distanciation sociale. Roch André, c'est qui? Roch André, c'est un ancien étudiant de CTPEA. C'est un ancien boursier de Fulbright. C'est le fondateur, c'est un des fondateurs et directeur général de CEDEL Haïti. C'est un entrepreneur et il va prendre du temps pour lui faire présentation ça pour nous, pour lui capable inspirer nous, nous-mêmes jeunes qui vivons en Haïti, pour nous comprendre que si nous mettons nous à cela, si nous mettons tout nous-mêmes, qui gens que nous capables de faire succès dans l'entreprise que nous entreprenons. Bonjour Walk et bienvenue à Sojibank Startup Saturdays. Bonjour Philippe, bonjour à tout le monde qui branche nous matin. Merci à Sojibank pour l'invitation. Merci à Bange qui fait coordination en tout. C'est vraiment un plaisir pour moi pour que moi présent avec nous matin ça pour nous capable faire une présentation sur comment on capable présenter projet entreprise. Faut que moi dit que sujet ça son sujet que moi remets en pile. Et à plusieurs reprises, moi j'ai eu chance de faire présentation sous thème ça. Et moi pensais que à chaque fois ils ont invité, et c'est difficile pour moi pour me refuser parce que et moi connais un vrai besoin, un besoin pour que entrepreneurs, pour que les jeunes, yo et gain des techniques, gain des stratégies, gain des approches pour bien présenter projet. Donc, maintenant là, moi espérer et c'est plein moins pour me partager avec tout le monde qui branche des secrets et moi estimer, moi espérer qu'il pourra aider nous pour nous capables réaliser pitch nous, pour nous capables faire succès à travers présentation nous pourra gagner pour nous faire. Jean-Dylan Philippe et moi c'est cofondateur CEDEL Haïti. CEDEL Haïti c'est une entreprise qui dans le domaine entrepreneuriat et nous implanté dans le pays depuis l'année 2012. Nous baillons tête nous aux missions pour nous travailler pour qu'il y ait plus d'entrepreneurs qui émergent dans le pays d'Haïti. Nous spécialisons dans la formation entrepreneuriat, accompagnement entrepreneur. Nous faisons tout en pile événement dans le domaine entrepreneuriat. Moi, c'est cofondateur tout de Potiwa Pizza, une entreprise qui est lancée dans l'année 2015 et qui spécialisée dans la pizza vraiment authentique haïtienne. Et signature, nous, c'est ça, pizza à Aransor. Nous connaissons un pile haïtien qui aime Aransor et nous avons décidé de venir à une pizza typique pour eux qui est la pizza à Aransor. Depuis 5 ans, nous avons très apprécié la pizza ça et l'autre type de pizza que nous offrons. Moi, c'est tout, managing partner dans une entreprise qui est le Money Talks. Money Talks, c'est une start-up qui est dans le domaine fintech. Il permet que un monde et qui gagne comme par exemple sous compte les gens sont capables de transférer comme ça sur un portefeuille mobile sans problème. Et Moneytox aide surtout les pays à bloquer, les gens COVID, avec COVID, les gens à éviter pour faire trop d'interactions. Et bien, capable d'aller sur Internet, là, utiliser la plateforme, ça, et faire transactions sans problème. Alors, je sens un petit moment, un petit souci. Je vais essayer
Juste un petit moment. Quand il y a un petit technique tout petit que nous avons essayé de gérer. Et pour nous commencer et avec la présentation. Formellement. Juste avant de nous prendre patience parce que nous avons un souci technique que nous allons gérer rapidement pendant que nous avons aidé nous gérer les. Et nous avons souligné que, eh bien, réaliser un pitch, c'est un exercice qui est fondamental pour tout entrepreneur. Moi-même, personnellement, moi j'ai une possibilité d'aller pour me lancer l'initiative C'est de l'Haïti, je commencer avec un pitch. Je commencer dans l'année 2012. Côté que. Ça, c'est fichier. On essaie de lancer la forme. Allô, Philippe? Yes, what? Ça m'a suggéré, pendant que nous avons géré ce souci, ça, et je pense que nous-mêmes, au niveau de sujet, nous sommes capables de parler un petit peu davantage de l'autre programme que nous offrons pour les jeunes. Par exemple, nous connaissons que nous faisons l'initiative Stéphane Bruno, et c'est d'elle qui a la possibilité de collaborer avec nous sur le programme. Ça. Donc, nous avons essayé de gérer ce souci rapidement, mais en attendant, nous avons passé la parole et pour parler un petit peu. À publier de l'autre programme, ça, et puis moi-même, ma programme est incessamment. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, chers internautes, chers fans de Bunge et de groupe Sojebank, pendant que nous avons géré un petit souci technique, nous avons profité pour nous parler de groupe Sojebank qui gagne des initiatives qui sont assez intéressantes. Pour la jeunesse haïtienne, comme Rock André s'est évoqué là tout à l'heure, nous avons l'initiative Stéphane Bruno, qui est une initiative qui te permet que nous rassembler, nous réunir plusieurs développeurs qui développent plus, qui rassemblent plusieurs développeurs qui étaient finis avec des innovations pour être capable de montrer qui ça que eux-mêmes sont capables de faire pour faciliter. Pour capable faciliter. Pour capable faciliter l'intégration jeune dans ce qui a fait sur le marché du travail. Tu as gagné des logiciels, des applications qui ont été développées qui permettent que. Moi, si, work, si je ne m'abuse, je pense que Manitox était une présentation qui était dans l'initiative Stéphane Bruno. Oui, justement, Manitox sont produits de. Initiative Stéphane Bruno et Christian Chérubin. Monsieur était participé dans un concours avec IDEAN. Et à partir de là, monsieur est présenté. Mais ce qui est intéressant, c'est que monsieur n'est pas nécessairement le monde qui a gagné dans le concours. Il n'a pas remporté le premier prix. Mais et monsieur arrive continuer de travailler sur IDESA. Et actuellement, là, je suis capable de dire que Manitox a fonctionné normalement sur le marché. Je suis capable de dire qu'il y a un peu de monde et service. Sous marché. Donc, okay. Nous-mêmes, nous sommes capables de fier le fait que nous avons lancé l'initiative ça et il y a une entreprise qui sortit à partir de lui-même. Et nous sommes capables de dire que nous sommes groupe jeune, ça nous sommes prévoyants parce que, effectivement, la conjoncture la permet que ça nous ait développé, c'est eux qui est d'actualité de nos jours pour limiter les déplacements. Ah, okay. Nous sommes capables de dire que nous sommes en avance dans le domaine. Exact. Là parce que nous, c'est l'héritage Stéphane Bruno, nous devons perpétuer. Eh bien, il y a de jeunes développeurs qui prennent un ballon ça que nous lançons et nous sommes capables de dire que nous faisons chemin. Il y a un Manitox, nous connaissons l'autre start-up tout, qui prend naissance à partir de l'initiative. Là. Alors, Philippe, moi, je pense que nous en forme là. Merci à support que nous jeunes pour que nous continuions la présentation normalement. Alors, nous avons commencé pour me dire que, eh bien, c'est de l'Haïti, moi je dis que c'est fondateur c'est de l'Haïti, eh bien, c'est de l'Haïti, il prend naissance à partir d'un pitch. Et à partir d'une présentation, moi j'ai eu une chance de faire. C'était dans l'année 2012, dans un concours de plan d'affaires et dans l'université Oklahoma State. Côté que moi j'ai participé avec IDESA, après un temps, moi j'ai fait dans l'incubateur
université. Hein? Et justement, avec IDC de l'Haïti, hein, on était pitch li et on était choisi comme meilleure entreprise à caractère social dans la compétition. Ça. À partir de l'expérience de participation dans la compétition, ça, on était gagné $1,000 américains comme prime. Et c'est avec comme ça que j'ai commencé CEDEL Haïti. Et je vais quand même prendre un exemple sur Macalain. Peut-être que tout le monde ne connaît pas l'histoire, mais Bange, l'arrivée côté l'IA, c'est et non pitch li passé. Et je connais Macalain à un certain moment, là, il a présenté l'idée Bange-là, by et board Soje Bank. Eh bien, il a convaincu à partir de l'idée li gagnant et justement, il y a un partenariat ça qui développé entre Soje Bank avec Macalain. Donc, c'est pour nous dire non, que gain en pile et objectif nous voulons atteindre, gain en pile bah nous besoin réaliser en matière de business, nécessairement faut que nous passer par un pitch. Et mon cas qui concerne par exemple en année 2014, moi été invité par la Banque Interaméricaine de Développement qui payait billet d'avion pour moi, payer chambre d'hôtel etc. pour mal participer dans l'assemblée annuelle qu'il a fait au Brésil. Pour mal présenter, elle fait un pitch pendant 3 minutes. Donc, ou même capsule là, juste imaginez ça. Pour faire tout, on a dit, investissement ça, faire voyager, etc. Et puis, l'arrivée pour le présenter seulement en 3 minutes. C'est pour nous dire nous, que pitch, c'est un exercice qui est extrêmement important et indépendamment de la durée que vous avez pour faire. Même si c'est 3 minutes, même si c'est 2 minutes, c'est un exercice qui est extrêmement important. Que vous avez intérêt pour vraiment prendre à cœur. Eh bien, dans l'année 2014, c'est de l'Haïti avec moi, nous introduit, ça nous relie le concours Elevator Pitch en Haïti. Parce que ça, c'est qu'on arrive avant. En général, le monde a présenté business, il faut que tu gagnes 15 minutes, il faut que tu gagnes 20 minutes pour présenter. Mais nous-mêmes, à partir de l'expérience que nous avons fait, nous réalisons que on n'a pas besoin nécessairement 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes pour présenter une idée business quelqu'un ou bien pour présenter un plan d'affaires. Il est capable de présenter le nom en tant que picou et l'un des faits expériences, le public l'a vraiment embrassé très bien. Et jusqu'à présent, moi-même, moi fait un cours d'introduction à l'entrepreneuriat dans l'université Kiskeya. Étudiant mieux yogin pour présenter en 3 minutes. Il n'a pas présenté en 15 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Mais ça, c'est un gaspillage de temps, gaspillage de ressources. Au début, les nous dit qu'il a présenté en 3 minutes. Tout le monde dit que c'est impossible. Mais après, il a présenté sans problème. En ce qui me concerne, moi, toujours une possibilité pour me servir soit comme juge, soit comme coach dans des concours de elevator pitch ou bien concours de présentation de plan d'affaires. C'est avec un pile plaisir que je fais ça parce que les bonnes possibilités pour me tendre le monde qui a présenté l'idée. Et chaque fois que j'ai une occasion pour me donner un conseil qui est capable d'aider au fait, puis bien, c'est une grande satisfaction liée pour moi. En termes d'expérience récente en matière de pitch, eh bien, dans l'année 2019, là, moi, j'ai eu une chance de participer dans la 18e assemblée annuelle de la société civile de la Banque Interaméricaine de Développement, qui était faite dans le pays Paraguay. Eh bien, dans quatre événements, ça, tu as un exercice de pitching qui t'est fait. Côté que, tu as demandé à chaque participant pour venir avec une idée sous thème événement qui c'est le futur de l'emploi, the future of work. Comment nous travaillons dans l'année 2050? Eh bien, moi-même, je viens avec une idée qui c'est coder le futur, code de futur. Et l'idée, ça, moi, tu as pour me pitcher à plusieurs reprises. Devant un petit groupe de 7 moun, après 7 moun nan vin passer à 21, après 21 vin passer à 50, etc. Pour nous arriver non dernière étape. Mais à chaque étape sa yo, te gen des moun nan public lan qui t'a voté. Et te gen 26 pays qui te représenté nan 4 activités sa. Et on capable dire que à la fin, les participants qui te ou même gen possibilité pour te voter sur les idées, idée nous te présenté un code le futur, code de futur, il était choisi comme meilleure idée. Alors ça me t'avle nous comprendre moun k'ap suivre là. Leur choisi idée comme meilleure idée, effectivement il doit en bonne idée. Mais façon ou présenter l'un li tout aussi important. Parce que si on a une bonne idée ou pas bien vendre idée ça,
eh bien, me garanti yo, et yo pa découvrir tout potentiel qui gagne des idées et ou rater en pile opportunité. Donc, c'est dans ce sens ça, nous capable dire que exercice de présentation de idée business là sont exercice de vente que lié. Si ou c'est entrepreneur, ou pas gain choix pour dire pour décider est-ce qu'on aime vendre ou bien pas aime vendre ou obligé vendre. Et leur vente c'est idée ou à vendre, c'est produit ou à vendre, c'est service que ou à vendre. Maintenant, dans le cas de présentation d'une idée, ou à chercher vendre idée ou même ou c'est moun k'ap vendre, de l'autre côté gain moun ou vle qui pour acheter. Moun ça c'est capable d'un investisseur, c'est capable d'un potentiel partenaire, c'est capable on sponsor ou besoin moun ça li supporter idée là. Eh bien, à travers exercice de présentation, objectif ou c'est permettre que transaction li réaliser. Maintenant, ou même ou gen des intérêts l'a présenté. Bon bagage ou ap chercher. Mais moun k'ap tande yan, li gen des intérêts tout. À travers exercice de pitching nan, objectif ou c'est joindre le juste milieu. Montrer moun sa que ou nan intérêt pendant que ou même ou ap défend intérêt pa. Maintenant, qui ça nous constate à travers expérience, observation en question pitching en Haïti en généralement. Le plus souvent, ça moi-même personnellement moins constaté, c'est que exercice pitching non, présentation, en pile entrepreneur, yo prennent à la légère. Yo gen ap pran tan, yo travay sou plan d'affaires, mais lè pou rive nan étape présentation, yo pa vraiment mette trop accent sou li. Yo prenn comme juste yon détail. Et ça c'est un gros erreur à éviter que lié. Ou gen doit bon document, mais li important tout pour prendre temps pour préparer et présentation. Nous constater tout que gen en pile lacune bon côté monde qui a présenté. Et li très facile pour ça. Si on observe compétition de plan d'affaires qui fait et m'a dit hackathon qui fait et compétition elevator pitch ou capable remarquer en pile fois moun yo gen lacune le a présenté. Alors ça qui explique ça c'est que nous poko vraiment bon culture de pitching. C'est-à-dire là quand on a parlé de elevator pitch, on a parlé de entrepreneur vini avec qui doit présenter, mais faut que nous comprenne que et c'est des exercices n'a essayé et permet que moun yo fait progressivement. Yo pas toujours gain culture ça. Et yon nan l'autre problème qui nous constater tout c'est un problème de contenu. Parce que là ou pral présenter ou pral vendre ou besoin fait effet en même temps faut qu'ou gon produit, faut qu'ou gon contenu. Mais si ou néglige contenu hein et puis ou a présenter ou mettez accent seulement sur la forme, gain en pile chance pour passer à côté. Parce que contenu li extrêmement important. C'est contenu moun nan besoin acheter nan. Ça ne relé contenu c'est qualité idée, c'est qualité projet ou vle réaliser. Et puis forme nan li vini en support à ça. L'autre constat que nous fait à travers observation nan pour ça qui gen awe à question de présentation, à question de pitching et en Haïti c'est que en pile fois il y a des problèmes qui présentaient à travers les idées d'entreprise. Eh bien, le problème, ça a eu un problème pertinent. C'est-à-dire pertinent pour le monde nous supposer qu'il y a un problème. Ça. Une autre façon de dire, c'est que il y a des idées qui présentaient, mais l'idée, ça n'a pas nécessairement résoudre un problème. Si l'idée a présenté, il n'a pas nécessairement résoudre un problème, il y a un peu de chance pour que l'idée, ça, c'est une idée qui est en tête et ou pas garder la perspective moun ou vle vendre à yoa. Si ou vle vendre à moun sa yo, faut moun sa yo concerné. C'est peut-être ça ou gen intérêt, mettez yo au centre de ça ou vle faire. Maintenant, l'autre problème qui gagne tout, c'est que en pile fois, gen un manque d'empathie de la part de moun ka présenté. Qui ça moi le manque d'empathie hein? C'est justement le que ou pas metto nan place moun kap koute ou la. Lo a présenté qui sont besoin faire besoin attirer sympathie
moun captant d'eau là. Maintenant pour attirer sympathie ou même ou besoin que ça nous relie empathie hein, ou mettre dans place et qu'on y a là la plus facile pour vous pour connecter à moun captant d'eau là. L'autre constat encore c'est que en pile fois présentation ou pas travailler. Moun qui a présenté en pile fois il pas déterminer qui ça le pral dit ou juste à improviser. Puis devant pral montrer comment nous capable improviser, mais même improvisation ça li mandé en préparation. Et c'est un gros erreur si ou pral présenter ou pas travail présentation. L'autre erreur que moi constaté qui arrivait très souvent c'est que en pile fois contenu qu'a présenté hein n'est pas proportionné par rapport à temps qui est disponible. Si ou une présentation pour le faire, premier bagage vous cherchez connaissez c'est pendant combien de temps pour le faire présentation ça. Est-ce que c'est une présentation en 15 minutes? Est-ce que c'est une présentation en 5 minutes? Est-ce que c'est une présentation en 3 minutes? Maintenant, une fois que vous connaissez qui dure la présentation ça, vous pouvez connaître comment vous arranger pour capable calibrer le contenu là pour répondre à temps qui est disponible pour vous. Si on va qui l'aide en pile, le que yo dit vous pouvez présenter en 3 minutes et puis vous faut signe 3 minutes l'arrivée et puis vous réalisez ou dans moitié présentation. Donc imaginez que gè débat ou t'ai besoin dit, ba ça c'est à la fin présentation yo yé. Et le fait qu'on pas bien gérer temps, eh bien, ou rater tout by ça. OK. À partir de ça, nous sommes là, nous capables de comprendre que vous faites une bonne présentation, ça veut dire qu'il y a un pile porte qui ouvre pour vous. OK, quel que soit entrepreneur là, s'il gain capacité pour le présenter, ça permet que gagne en pile porte cap ouvrir pour lui, ça permet que gagne plus deal la capable conclure. Mais de la même façon, si que ou mal présenté, ou capable comprendre que gagne en pile porte cap faire mais gagne résultat ou chercher ou pas capable joindre. C'est peut-être ça l'important pour entrepreneur même si yo capable dire a priori yo pas bon communicateur, yo pas un bon présentateur, mais c'est pas ça pas arrêté là. Ça qui est important pour c'est que c'est une compétence faut qu'on travaille sur lui. Ou bien pour passer là quand même. Ça li extrêmement important. Bon, qu'on y a là question que en pile nous sans doute n'a posé tête nous c'est comment présenter. OK, nous fin parler de importance petit non nous dit mais qui ça capable permettre ou joindre mais qui ça ou pas capable réaliser sous pas en mesure pour présenter idée business sous. Maintenant comment présenter on regarde ça ensemble. Nous t'ai parlé de contenu, nous dit que l'important l'on va le présenter faut qu'on gagne un contenu qui approprié. Alors m'ta voulais insister sur ça. Lorsque vous présentez une idée business, indépendamment du temps que vous avez, l'important pour mettre accent sur ça nous a dit là. C'est qui problème vous voulez résoudre? Qui problème vous voulez résoudre? Nous avons parlé de empathie, mais c'est ça qui va montrer empathie que vous gagnez. Et empathie ça vous gagnez par rapport au marché que vous ciblez. Ou pour montrer que vous care. Et si vous montrez vous care, eh bien, public c'est beau. Audience, vous pouvez montrer vous care. Vous plus intéressé pour faire partenariat avec vous, pour sponsoriser, pour investir dans le business, pour acheter dans le monde. Parce que vous sortez dans le cocon, vous allez faire un bagage qui est extrêmement important pour vous, vous allez identifier le problème. Maintenant, vous identifiez le problème, vous venez avec solution. Arrêtez dans problème non seulement. Si vous êtes dans problème, vous avez un problème. Parce que faut qu'on quitte ce stade problème. L'objectif, c'est identifier le problème nan, et puis venir avec une solution. Maintenant, nous sommes dit, si vous identifiez le problème, vous venez avec solution. Maintenant, pour qui est solution ça lié? Solution ça lié pas forcément adapté à tout le monde.
C'est peut-être ça l'important pour déterminer pour qui est solution en lié. C'est ça nous relais marché que ou ciblé. Donc ça est extrêmement important, c'est des points pour nous prendre en considération lorsqu'on a parlé de présentation, lorsqu'on a parlé de contenu pour présentation. Pour qui ça nous dit que nous sommes dit là marché ou ciblé est extrêmement important. Faut qu'on connaisse qui marché. Ça qui veut c'est que gain en pile entreprise yo échoué parce que yo fait erreur ça. Yo pas déterminé qui marché que yo cible. Gen moun ki juste vini avec une idée, li di marché c'est tout moun. Ou bien yo pas regarder pour qui besoin qui gagnent sous marché. Est-ce qu'on connaît que selon une enquête qui fait et qui sorti dans magazine Fortune, gen 42% entreprise yo échoué parce que pas de gain besoin sous marché pour produit pour service que entreprise ça y a offrir 42% résultat ça je à partir de ça nous relay une enquête post mortem c'est une enquête que et qui fait auprès de chefs d'entreprise qui t'a créé des entreprises et entreprise ça yo disparaît pas existant encore moun qui fait enquête là qui sorti dans Fortune magazine là il a posé question il a demandé chef d'entreprise ça yo qui raison qui fait que entreprise ou ont échoué et yo compilé résultat rejoindre à partir de 101 réponses et absence de besoin sur le marché c'est raison fondamentale donc c'est là le n'a parlé de contenu hein nous voulons insister sur point ça l'important pour que pour résoudre un problème ou vine avec quelque chose qui satisfait yon besoin sous marché. Donc ou pas juste rester seulement ou imaginer dans tête ou mais ou sorti de l'extérieur pour vine avec quelque chose que moun yo y apprend. Maintenant, gen yon aspect qui est très important pour nous prendre en considération, là on a parlé de présentation et d'idée d'entreprise, on a parlé de pitch, c'est rapport entre contenu et durée que vous gagnez. Nous avons commencé par les souliers avant. Vous pouvez comprendre que parfois, vous avez plus de temps, vous avez 15 minutes, 20 minutes, parfois, vous avez même gagné 30 secondes, vous avez gagné 60 secondes pour présenter une idée. Maintenant, contenu ou gagnez, il faut que vous travaillez en conséquence pour déterminer qui ça vous a dit dans le temps que vous gagnez. OK, ça li extrêmement important. C'est peut-être ça. Yon pitch son bagay que ou préparer. Et ou préparer en fonction de objectif ou en fonction de temps que ou gagne pour présenter. Maintenant, nous dit que gen des pitch ou gagne entre 30 secondes et 3 minutes pour faire yo. En général, pitch ça yo yo rele yo des elevator pitch. Pour moun ki pa familier avec term elevator pitch là et moi essayer traduire là en français, moi le dis présentation éclair. OK? Bon, c'est façon ça me joindre pour me traduire, mais est-ce que c'est meilleure façon, on pa connaît. Mais ça ne veut dire on a parlé de elevator pitch. On a parlé de elevator pitch ou est le mot elevator qui c'est ascenseur et puis pitch présentation. Ça pour nous comprendre, on a parlé de elevator pitch. C'est comme si on a dit ou dans un building, soit dans Marriott là par exemple, et puis pendant entrer dans ascenseur ou un monsieur qui est le Bill Gates et monsieur ça de passage en Haïti et selon information gagnée pendant le passé en Haïti, il est intéressé pour regarder pour voir qui jeune qui a des idées extraordinaires. Et monsieur est disposé pour le supporter. Eh bien, pendant qu'on a ascensé ou croisé avec monsieur, hein, monsieur ça est disposé pour le tendre, vous avez 30 secondes seulement pour dire ça que vous avez dit, pour convaincre. Dès que vous quittez l'ascensé arrivé côté le bras, monsieur est en fait chemin par ou fait chemin par ou pas de possibilité pour rencontrer encore. Donc, c'est une façon pour nous expliquer qui ça nous voulait dire, le n'a pas parlé de elevator pitch. Son présentation de idée business que vous faites, mais non, c'est un temps qui est très court, très limité.
ou pas grand pile temps et ti temps gagnant faut ou capable aller vers l'essentiel ou dit ça qui pi important pour vous. Là que ou fait un elevator pitch ou bien ou fait une présentation en général, eh bien c'est à partir du problème là pour commencer. Quel que soit type de présentation, commencer à partir de problème là. Lors parler de problème là qui ça permet. Ça permet que gon relation, gon connexion ou établi avec monde que ou a présenté à lui-même là. Ou montrer que gon devoir de maison que ou faire. Ou montrer que gon compréhension que ou cherchez développer. Mais c'est que ou a présenté une solution sans que ou pas chercher comprendre nature problème là. Ou pas une pièce garantie que solution ça son solution qui adaptée à problème là. Donc c'est peut-être ça ou commencer à partir de problème là. Maintenant temps est capable varier, mais nous dit que lorsqu'on fait un elevator pitch en général temps rien n'est pas dépassé 3 minutes. Ou même qu'app suivre nous là si que beaucoup dans circonstances ou fait expérience ça présenté en 3 minutes, moi invite ou à essayer faire exercice ça. Ou pral commencer ouais, eh bien, il pral porter un pile challenge pour parce que si ou pas habitué faire exercice ça là très difficile. Mais c'est pas tête objectif là. Et à partir de là, une travail ou pral faire c'est garder qui ça qui plus important pour moi pour me synthétiser, mettre le dans 3 minutes que moi gagne. Maintenant, on dit que vous avez pour faire un elevator pitch pour présenter en 3 minutes. La question que vous êtes capable de poser, c'est qui ça pour me dire en 3 minutes là? Qui ça qui est important pour moi pour mettre accent sur lui? Bien évidemment, si vous voulez faire un pitch, vous avez pour faire, il faut que vous commencez par présenter tête. Pas supposer que vous connaissez, mais présenter tête. Mais pas prendre pile temps. OK? Pas prendre tantôt pour saluer quel que soit le dernier monde qui était dans la salle. Je salue les membres du jury, je salue l'assistance. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi d'être présent ici dans cette salle pour faire la présentation de mon idée d'entreprise. Je remercie les organisateurs qui m'ont donné cette opportunité. Ça, pour comprendre, l'on passe dans le détail, ça, seconde, pas campé. Minute, pas campé. Il y a ponté. Et l'on perdu au début, puis devant, ou t'as bien aimé gagner pour aller vers l'essentiel, mais ou pas jouer tant ça encore parce que ou t'es mal utilisé au début. Donc, ça qui est important pour songer, c'est que depuis l'on a commencé, assure que ou aller vers l'essentiel. Dis ça qui est important pour vous. OK? L'on finit dit ça qui est important pour vous. Si après avoir un temps, ou capable parler de l'autre bagaille. Mais commencez dans ça qui est important pour vous. Fin présenter tête tout. Ensuite, faut qu'on dit qui ça entreprise ou yé. Je suis Roque André, managing partner à Monitox. Je suis ici pour vous présenter une solution qui va révolutionner l'industrie de la fintech en Haïti. That's it. Et puis, on passe immédiatement dans le problème ou identifier. Pourquoi Monitox? Eh bien, nous constatons que ça arrive souvent à Haïti et pays à l'oc. OK, moun yo besoin gè accès à l'argent yo, mais l'argent sous compte bancaire yo, yo pa gen possibilité pour gen accès à l'argent ça. Pendant ce temps, yo gen des besoins. Maintenant, nous-mêmes nous venons avec une option pour permettre que moun yo capable retirer l'argent ça sans ou pa gen obligation pour déplacer aller à la banque. Yo juste monter sur internet à partir de téléphone yo, à partir de ordinateur yo, yo transférer l'argent sous portefeuille mobile yo. Et l'agence est capable de retirer dans une petite boutique, est capable de retirer dans la caillou, etc. On parle de problème, non? Pays lock, ou pas qu'à sortir, solution, mais l'agent qui est bloqué nous permet de gagner accès à l'agence. C'est deux points qui sont importants. Je ne vais jamais suspendre, rappeler. C'est qui problème ou identifier, qui solution que vous portez. Maintenant, même si c'est 30 secondes où tu gagnes, problème, solution. Lorsque plus de temps, on y a là, on va parler de qui marché, mon ciblé, qui mon utilisé, produit, qui mon
et qui utilise service pour yon, qui approche marketing que moi gagne pour me permettre de vendre réaliser et comment me pral procéder pour me générer profit et comment entreprise pral opérer yon journée typique dans la vie entreprise à qui ça ressemble qui chiffre clé et concernant entreprise ça qui le moins prévoit pour me profitable pour m'atteindre seuil de rentabilité par exemple qui risque moins anticiper pour entreprise ça qui ça qui capable faire empêcher le faire succès et qui disposition on pral prendre pour me gérer risque ça yo et pour qui ça me présenter est-ce que c'est investisseur m'a chercher est-ce que c'est financement m'a chercher financement ça est-ce que c'est sous forme de prêt est-ce que c'est participation de capital etc. Tout ça yo on capable parler de yo mais ça qui est important c'est d'abord problème moins d'identifier qui solution que moins porter c'est les deux points les plus importants leur présenter idée business. Alors là, c'est un petit peu les points qu'on est capable d'adresser en 3 minutes. Maintenant, la question qu'on est capable de poser, c'est si ma fond présentation, moi, j'ai 15 minutes, moi, j'ai 20 minutes. Maintenant, de qui ça pour me parler? Même si la présentation, c'est pendant une heure, point ça, c'est très important, il faut qu'on parle de yo. D'ailleurs, pour le monde qui a suivi la première présentation avec Macalien, nous sommes capables de voir, c'est très lié à. Et on a dit des sections que nous joignons dans Business Model Canvas. OK? Côté que yo parlé de marché là-dedans, yo parlé de problèmes, yo parlé de solutions, yo parlé de les canaux de distribution, etc. Et yo parlé de sources de revenus. Donc, yo très lié à la canvas que nous avons dans la première édition et SSS. Là. Côté que c'est élément ça que nous prenons dans le météo sous forme de pitch. Justement, nous avons dit maintenant, si son présentation l'on va faire, qui sera capable de faire, élément de se présenter là, évidemment, il faut qu'on parle de yo, il faut qu'on insiste sur yo. Mais en plus de yo, vous capable d'arriver plus loin, vous capable de parler de historique entreprise. Côté idée ça sorti, qui ça te permet de nous venir avec idée ça? Si m'a parlé de Potiwa Pizza, m'a dit que eh bien moi-même Jude Vaillant, c'était en année 2014, n'a conduit sorti New Jersey, nous pour aller New York et puis nous dans machine n'a tendu match en Haïti et puis n'a communiqué et sous t'a dit besoin qui gagne sur marché hein et puis nous pour exemple Philippe Vob qui t'a travaillé New York, monsieur voyez il t'a touché $400 américains. Li voye 350 en Haïti pour investir dans business family, monsieur Kembe 50 pour vivre et à partir de là ça inspiré nous dit et son modèle intéressant à suivre etc. Et puis après ça nous chercher nous vinn tomber sur pizza ranson. C'est grosso modo pour nous banon idée. Ça c'est sous gain temps pour parler de historique entreprise. Parler de historique là, il permet de connecter à moun captan dollar. Parce que l'objectif, c'est connecter. Cependant, on va toujours gagner temps pour parler de historique entreprise. Sur gain temps tout, c'est bien que vous parlez de profil membre équipe. Parce que, en pile fois, il y a des gens qui ont des gens qui ont des réserves sur l'idée que vous avez, mais vous voulez investir dans vous-même comme personne. Vous voulez prendre un risque avec vous à partir de ça que vous avez réalisé avant. Donc, si vous êtes capable de parler de profil membre équipe là, donc, son bagage que vous êtes capable de faire tout, capable de mettre accent sur. Et lorsque plus de temps, vous allez plus dans le chiffre, vous allez parler de ratio business là, et à partir de l'état financier, analyse qui fait sur ratio ça, vous parlez de yo, vous parlez davantage de offres financières ou pour qui ça a choisi et c'est prêt qui est ouvelé pour financer business là. Pour qui ça ouvre, c'est surtout des actionnaires qui pour rejoindre nous, ouvre, il y a plus investisseurs dans le business qui partagent le risque avec vous. Si vous êtes tantôt capable de parler de calendrier d'exécution pour mettre l'idée ça en place. Avant tout, c'est une idée ou gagne. L'idée ça, vous avez besoin de faire passer dans la réalité. Eh bien, normalement, il faut qu'on ait un calendrier qui dit mais comment on prévoit pour franchir l'étape ça pour passer de l'idée à la réalité. Ça qui arrive sur une entreprise qui fonctionne déjà, ou besoin de faire expansion, eh bien, il a besoin d'un calendrier pour dire, même Jean, ma calendrier fait la Banque FM là, il dit, peut-être telle date, je veux que Banque FM le renouvelle.
Donc, calendrier est capable toujours en boussole pour guider dans le projet là. Et lorsqu'il y a un temps, on est capable de parler de l'ITO. Maintenant, et en pile point, nous partageons là-haut, nous sommes capables de dire que c'est des éléments clés pour prendre en considération leur fond pitch. Eh bien, en pile là-haut, c'est ça nous est capable de briller des secrets pour faire un bon pitch. Et si vous attendez au point ça, vous êtes capable de sentir que, hey, pas gagner qui nouveau pour moi, je suis habitué avec vous. Je me garantis, fait différence entre sentir nouveau pour vous et aller dans l'événement côté où vous avez pitch. Vous avez réalisé que c'est des points que nous avons besoin de répéter tout le temps, nous avons besoin de permettre mon mieux travail pour préparer pour capable faire de meilleurs pitch. Parce que nous avons gardé. Non, événement côté mon a présenté en général et présentation yo man campin. Donc 10 secrets yo gagne nous m'gè tan bay la, m'a juste tourner sou yo. Et bien premier secret a évidemment c'est problème ou voulez résoudre là pour identifier. Faut qu'on identifier problème non, ça c'est secret numéro 1. OK? Deuxième secret a c'est communiquer solution là. Communiquer solution que vous voulez offrir, c'est ça, il y aurait un peu de fois proposition de valeur. Si vous n'êtes pas habitué à terme ça, que vous voulez proposition de valeur, proposition de valeur, c'est, et dans une certaine mesure, c'est solution que vous voulez offrir. Dans quel sens solution ça, les différents, dans quel sens les innovants, dans quel sens les uniques, donc c'est ça qui est proposition de valeur. Et quel que soit mon capitaine d'eau, il a besoin d'entendre qui sa proposition de valeur là liée pour. Troisième secret, bien gérer temps que vous avez. Bien gérer temps, calibrer présentation non, pour capable dire l'essentiel pendant le temps que vous avez. Et l'homme dit bien gérer temps, je parle de seulement présenter en deçà de limite temps que vous avez. Si vous avez 3 minutes pour présenter, vous présentez seulement en 1 minute, ça c'est une mauvaise gestion du temps. Ça est important pour songer. Parce que vous avez 3 minutes, ou avez des choses vous dit, vous n'avez pas 3 minutes, et puis vous prenez 30 secondes. Vous prenez 1 minute, ça montre un petit problème. Et comme si, entre parenthèses, vous avez un contenu, mais dans la réalité, vous n'avez pas un contenu vrai. Et ça capable d'avoir une mauvaise impression de vous-même et de projet d'entreprise. Lors d'une présentation, on dit une présentation devant un groupe ou bien devant quelques monde, eh bien contact visuel est extrêmement important parce que bon connexion besoin établi avec Mounsayo pour transmettre votre passion, pour transmettre votre sincérité, conviction. Eh bien, l'important pour pratiquer contact visuel. Nous connaissons que ça n'est pas toujours dans la culture non, en Haïti. Dans l'autre pays, comme aux États-Unis par exemple, et ils apprennent si à développer ça. Pratiquer contact visuel. On parle avec un monde, on regarde les gens dans les yeux. Mais nous connaissons la culture, pas non, parfois, il y a des monde qui même fait expérience à côté que vous ne pas regarder grand monde dans les yeux, pas regarder tel monde dans les yeux. Non, mais là, on parle de business, jury, et mon capitaine d'oyo investisseur faut moun sa capable pratiquer le contact visuel avec eux, connecter avec eux. Ou pas qu'à font présentation et puis yo c'est dans l'espace que lui. Ou pas qu'à font présentation et puis yo c'est à terre que lui. Ou bien un regard qui évasif. Ça est très important. Et selon un pile étude, ça aspect ça que nous relé langage corporel là, un pile fois même plus déterminant. Nan résultat ou pral que parole k ap soti nan bouche. C'est peut-être ça l'important pour nous pratiquer le contact visuel. Ou pral présenter ou voulez convaincre, eh bien l'important pour vous montrer passion. L'important pour vous montrer enthousiasme par rapport à l'idée là. Parce que au niveau de passion, au niveau d'enthousiasme, sou pa gagnen, il est difficile pour l'autre monde vinn gagnen. Et enthousiasme là, d'ailleurs, mais souligner ça, il n'y a pas de dire seulement, c'est pas qu'on aime parler fort ou bien faire un pigeon, c'est pas ça. Mais il faut qu'on contenu tout que
ou quoi dans contenu. Si que vous voulez montrer enthousiasme et puis vous avez problème contenu, là bon petit problème. Faut qu'on travaille sur contenu, mais une fois que contenu ça ou quoi dans contenu, hey, c'est normal pour montrer enthousiasme, pour vendre passion. Pas oublier en pile fois, gen moun yo pas nécessairement acheter projet là. Yo gen doit pas quoi la donne. Mais y acheter ou même comme personne, y acheter détermination, y acheter passion, y acheter du feu, y aurait cap et sorti dans yo là qui permet tout réaliser, alors que ou pral utiliser pour réaliser soit bien réaliser. Dans même pas noter exemple sur ça à travers une expérience pitching que me dit ouais en Haïti dans deuxième édition concours initiative Stéphane Bruno. En pile là nous là cap suivre nous connaissons sans doute Certil Rémi, monsieur fait 4-4 game. L'air fait final ça, monsieur est présenté avec une passion, une détermination. M'bat nan jury, hein, même dit que la difficile pour c'est pas monsieur qui gagne. Mais c'est après ça m'a vienne comprendre qui ça qui te fait que gagne du feu ça qui t'a sorti la caille monsieur. Là monsieur fin gagne, monsieur expliqué que la veille donc c'était vendredi soir monsieur saute travail a mettre dernière touche dans présentation li monsieur a rentré la caille bandi attaqué il y aura les armes sur monsieur yo prend ordinateur yo prend téléphone ni et chance qui fait que yo pas tout prend la vie monsieur et monsieur a utilisé événement ça pour canaliser énergie. Et là, il vient dans l'événement, il vient dans la finale concours. Monsieur dit, c'est comme si, bon Dieu, bon moyen, dernière chance pour me gagner un concours ça, eh bien, il faut que je me baille tout moi-même. Effectivement, monsieur présenté, monsieur gagne un concours là. Donc, voilà un exemple qui est capable d'inspirer, qui montre que l'enthousiasme n'a pas de quitter de côté, mais il faut que les bonnes raisons vraies. Travaille sur enthousiasme, travaille sur contenu et puis délivrer avec enthousiasme. Sixième point, en général, soit présenté, il y a une raison qui fait que on présenté. Et est-ce que c'est financement à chercher? Est-ce que c'est investissement à chercher? L'important pour que vous dites clairement qu'il soit cherché. Lorsqu'il est présenté, il faut que ça soit capable clair pour le monde captant de vous. Ou pas qu'à prendre 3 minutes à présenter, ou prendre 15 minutes, ou prendre 20 minutes. Et puis après, l'offre de présenter, les gens qui tapent sur vous, ils disent, qui ça objectif de présentation en même? Pour qui ça vient présenter? Qui ça t'a cherché? Donc ça, l'important, faut que les clients en tête, l'offre à le présenter, ou besoin de convaincre les gens, mais convaincre les pour qui ça? C'est à qui ça ou les sortir? Ça, faut que les clients pour. Si, septième secret, hein, c'est, on présenter non ça l'important nous dit on établir connexion on établir contact ou besoin convaincre mon on présenter hein l'important pour et faire le plus que possible pour pas tourner dos à public ça parce que une fois que vous tournez dos c'est connexion que vous cassez c'est intérêt que vous diminuez et au même vous voulez qu'embe mon en haleine donc en général vous gain intérêt pour faire tout ça possible pour que vous toujours bay mon face. C'est ça que nous capable ouais. Gédé monde parfois y a présenté, bon là ça possible. Gédé d'approcher sur un écran derrière yo, mais gè un ordinateur qui devant yo, même yo garder dans ordinateur. Ou bien parfois là ça possible tout yo kon mette des petits écrans à terre, moun a présenté, hein, là ba un keynote speech, mais il capable suivre le déroulement slide yo à partir de petit écran qui est à terre devant. Li pa gagne à chaque moment pour la virer pour regarder qui ça qui est écrit dans slide there. Ou pa gagne intérêt parce que chaque fois on fait ça gon connexion que ou couper entre ou même et moun k'ap suivran donc ou réduit chance pour convaincre moun ça parce que moun nan la distrait et puis la chercher font l'autre bagaille soit là prend téléphone ni pour regarder qui dernier message WhatsApp peut envoyer pour lui ou bien soit là parler avec un collègue mais une fois que ou même ou kembel en haleine et bien ou augmenter chance pour convaincre. Huitième secret, si on va présenter en équipe, c'est important pour déterminer qui rôle chaque membre dans l'équipe va jouer. OK? C'est important. Et vous avez intérêt pour
utiliser chaque monde ça yon façon ou bien yon l'autre. On moun ki dans l'équipe là, nous quatre nous camper devant. Hey, si on moun camper moun nan pas fait rien, li pas contribuer dans présentation d'une façon ou d'une autre et li ba une mauvaise impression. Nous pas ba impression que nous c'est team players. Nous ba impression que c'est peut-être bon one man show, bon moun là c'est lui même qui a fait tout bagaille et puis l'autre moun yo là et au servi comme décor. Ou pas intérêt pour ba image ça. On moun ki nan ekip lan, sa ka rive moun sa, se kat de visite non la le passé pendant que yon lot ka présenté. On troisième moun, sa ka rive se slide yon la passé. Li pa nécessairement parler, mais li contribuer, li aider en quelque sorte. Ou kapabre yon troisième moun, moun sa, hey, se peut-être on micro li kembe. Mais ou arrange ou pour que chaque moun yo yo font bagay, mais on gèta déterminer à l'avance comment chaque moun sa va contribuer dans l'équipe, soit présenté en équipe. Ça qu'on arrive tout parfois, lors gen yon équipe, on dit yon équipe de 4 moun, et gen des concours, gen des événements ou bien des occasions, ça qu'arrive que membre équipe là ou désigne un moun pour le présenter pour yon. OK? Ça, c'est possible tout. Ça dépend de ça au besoin jeune comme résultat. Une fois que vous évaluez, vous estimez que ça c'est la meilleure option pour vous, eh bien, vous êtes capable de désigner un monde présenté. Un petit conseil tout pour un pile spécialiste, technicien, développeur tout, qui pral gagner pour présenter idée non. Ça pour comprendre, c'est que le monde qui a présenté, parfois, ce n'est pas nécessairement ça n'est pas relé leader équipe là, c'est pas nécessairement monde qui programme puis bien monde qui présente en général assure que c'est monde qui ca présenter puis bien et ça m'a dit là moins observer et moins ouais que il y a des équipes il y a dans des compétitions mais yo pas arrivé suffisamment loin parce que dans équipe là yo pas fait une bonne distribution de tâches de responsabilité. Nous allons dans le final de hackathon. Eh bien, il y a une équipe, mais il y a une équipe là, où on sent que c'est peut-être le monde qui a plus d'emprise sur l'équipe. C'est peut-être le monde qui a programmé tout ça. Mais il n'y a pas de meilleur monde qui a pu parler pour l'équipe. Cependant, il tient pour que c'est lui-même qui a présenté. OK? Le fait que lui-même, c'est lui qui présentait, pas nécessairement meilleur monde qui présentait. Application équipe là, c'est très bon, mais malheureusement, il n'est pas arrivé à gagner dans le concours. Au moins, on va de ça arriver. Identifier qui est monde qui est plus bon, et puis chaque monde fait ça, et puis bon là-dedans. Ça qui intéresse, c'est le résultat au besoin. Hein? C'est le résultat au besoin. Donc, en pile fois, mettez ego de côté, et ce n'est pas paraître devant, c'est ça qui prend le bon résultat. Mais c'est comment utiliser membre équipe de manière efficace. Neuvième point qui négliger en pile fois, c'est préparer présentation. Préparer présentation. Moi-même personnellement, je suis capable de dire, depuis que j'ai invité le pitch, m'assurer que je détermine à l'avance ce que ça m'a dit. Je travaille sur présentation, je choisis les mots que je voulais utiliser. Maintenant, je dis, l'autre avantage que ça a gagné, l'on prépare. Et bien, on doit préparer, quand il y a là où devant, c'est non à présenter, on ne doit pas dire, sans te prévoir, on ne pas dire avant. On doit être en liberté pour improviser. Qui ça permet de capable faire ça? C'est parce que vous en confiance. Qui ça permet de en confiance? C'est parce que vous êtes préparé. Donc, c'est peut-être ça qui est extrêmement important pour préparer la présentation. De vous préparer, même si vous n'êtes pas nécessairement un bon orateur, même si vous n'êtes pas nécessairement un bon communicateur, vous augmentez les chances pour faire plus d'impact. Parce que vous préparez. Et les gens qui jouent un bon résultat, c'est ça que vous faites, vous préparez. Un gens comme Barack Obama, qui sont grands orateurs, ils peuvent faire un discours, ils préparent un discours. Il y a deux fois le répéter même. Donc, préparer. Préparer, pas grand-rien qui est capable de remplacer. Et
l'on fin préparé, l'important tout pour répéter. Répéter pour capable à l'aise. Pas oublier, vous pouvez le présenter peut-être pendant 3 minutes, mais si vous pas répéter, eh bien, et l'on va le présenter, c'est peut-être pour une fois vous le présenter. Vous capable bon contenu qui demande 5 minutes, 7 minutes pour présenter. Mais vous ne pas répéter, ou pas comme ça. Cependant, l'on répéter, répéter avec chronomètre ou chronomètre tête ou regarder combien de temps vous utilisez. Eh bien, le ça, vous pouvez le plus efficace. Vous pouvez le plus à l'aise. Et l'on arrive dans la situation pour le présenter, vous pouvez avoir confiance, puis vous pouvez être libre, vous pouvez connecter plus facilement à mon capsule. Donc, chers amis, c'est ça que je voulais pour nous. Samedi matin, ça. Donc, nous connaissons, il y a un pile entrepreneur qui branché, il y a un pile développeur, programmeur qui branché. Donc, exercice pitching, c'est un exercice qui est extrêmement important. Et la question c'est pas que est-ce que m'bon en pitch ou bien est-ce que m'ba bon en pitching, c'est pas ça qui est important, mais l'important pour prendre conscience de qui ça ou d'où il fait pour développer capacité en pitching. Et une fois que vous faites ça, m'est capable de dire que vous augmentez chance pour joindre de meilleurs résultats à travers idée entreprise ou à travers projet que vous gagnez. Voilà Philippe. Wow, wow, wow. Walk vraiment et au captivant. Tant, je vais faire une blague, mais tant de trois petits bouts pour tout ça à partager avec nous, livrer, mais en même temps, vous montrer que vous êtes capable de respecter tant de présentations et pour nous apprendre un pile de ça à partager. Pour partager l'essentiel avec vous, pour partager les secrets d'une bonne présentation et pour gagner des points que vous mettez en face sur vous qui est vraiment important que des fois nous laisser à côté. Tant que l'empathie, tant que l'enthousiasme. Effectivement, assez souvent, nous avons quitté vous sous côté parce que vous stick tout présentation. C'est lecture que vous avez fait, vous voulez plein tête mon yo un seul coup. Félicitations, Wok. Et moi-même, pas bon menti, m'apprenne en pile pendant des caméras là. Et il y a deux, trois questions qui sont en montée, mais il y a une qui est assez pertinente. À savoir, est-ce que présentation ça, vous êtes capable de partager avec les gens qui t'ont suivi la présentation là sous Zoom? Ah, bon, moi, oui, que la présentation avant enregistrée, parce que je suis juste été en contact avec Bange. Bon, j'ai partagé là avec vous. OK, très bien. Très bien. Bien, tu as une autre question qui te demande est-ce qu'on est capable vraiment de dire qui ça un pitch est-ce que c'est un plan d'affaires ou capable d'en tirer une explication sur ça? Merci, ça bon possibilité pour me faire un petit rappel. Eh bien, mon pitch là, moi utiliser le parce que il est simple, il coûte et il est capable de dire en quelque sorte il sexy tout. Je te demande de me faire une présentation sur comment présenter son entreprise et pour convaincre. Eh bien, nous te dire comment faire un bon pitch. C'est même bagage là. C'est plan d'affaires que vous gagnez, on va le présenter ou font pitch avec lui. C'est modèle d'affaires que vous gagnez, on va le font pitch avec lui. C'est juste une idée en tête. Pourquoi Zola Philippe, me dit est-ce qu'on a 30 secondes. Philippe dit oui, allez-y. Et puis me dit Philippe, mais qui problème qui gagne, mais qui solution, nous se font pitch à Philippe. Donc, c'est un petit peu ça. OK. Je vais exemple ça va prendre sur 30 secondes là, parce que il y a un participant qui demande est-ce que c'est vrai qu'on présentation, on pitch qu'a fait en 30 secondes? Et oui, oui, il a fait en 30 secondes. Parce que, pas oublier, vous avez besoin de convaincre, mais l'on a convaincu il y a plusieurs étapes dans le convaincre là. Premier bail pour faire, c'est développer l'intérêt qu'il y a moun nan, pour convaincre les. Si vous n'avez pas d'intérêt, je ne vous convaincre. Juste imaginez, et vous avez fait un fils, et puis fils n'a pas remis du tout. Et puis, vous avez pris une décision, il dit quelque chose. Ça crive, bon, je ne vais pas remis, monsieur ça. Hey, si vous n'avez pas de pièce d'intérêt du tout, c'est difficile pour convaincre. Mais si vous acceptez tant d'eau, là, vous avez une ouverture. En 30 secondes, qui sont offerts,
Ou di, men problem ki gen, men solusyon. E lem fin fè sa, e Philippe ou pral di, men, e ou pral komanse pose m kesyon, men, esko ou goun mache pou li? E bi, m komanse djou. Men, ki strategi marketing ou pral itilize? Mwen djou li. Men, ki te m djou, esko gen ekip ou deja pou realize proje sa? Se ou menm ki pral bon mouve tu. Men 30 secondes nan, fò chwazi sa pou fè la dan. Yeah. Bon, pral pale de tout bagay. Pale de problem nan. Problem nan, c'est ça qui intéresse moun nan. Ça li extrêmement important parce que moi croisé en pile jeune yo vinn avec des idées d'entreprise mais son problème yo identifié dans tête pa yo. Yo rien doit dire ah moi ouais moi Léogan pa gen pièce pizzeria. Nda remet ton pizzeria là. Ça c'est mon problème identifié. C'est dans tête ou. Si pa gen ça ka veut dire que moun yo pa intéressé avèl. C'est pas parce que depuis pas qu'on bail en côté ou même on dit ah faut moi le mettre là. Moi Haïti pas gain cinéma et donc je vais venir avec un projet pour mettre en cinéma. Hey! Mais faut qu'on sorte dans bulle, sorte dans cocon, mettez puis au dehors pour aller poser question, chercher comprendre. Et monde qui était dans qui fait cinéma déjà, yo, cinéma ça va exister encore mandé yo. Et on connaît nous t'es dans business cinéma. Essaye expliquer moi qui ça business ça mandé pour faire le marché. Et c'est expliquer moi leur paye droit pour gagner pour jeune en film pour passer dans cinéma et où était comme ça ou passer dans chaîne télévision comment gérer aspect ça et c'est expliquer moi ça demande en termes de coût d'énergie pour me faire salle cinéma fonctionner parce que faut que les frises coût de nettoyage etc. Et là commencer poser question ça ou mettons non poursuit de monde qui cherche comprendre qui apprendre le sale plus facile pour venir avec une solution parce que ou aller chercher comprendre le problème non. Mais si m'pa fait exercice ça juste rete et Haïti pa gen sale cinéma et puis pour moi un problème non limité à ça non bon petit problème faut moi sorti aller chercher comprendre et une façon pour comprendre c'est poser mon question. OK good et work est-ce que on bonne présentation tout on pitch pas mandé que présentation là li yon on structure propre que respecter pour qu'a vraiment rete nan temps. Oui moi t'ai parlé un petit peu de ça et moi di yon nan premier bail pour commencer faire c'est la présenter tête toi sou pa gran pile temps di ou gen 3 minutes 2 minutes pas gaspiller temps la présenter tête toi pas besoin bail CV ou autorité faire primaire école secondaire comment maman relé papa relé ou pas gain temps pour ça et sinon projeter ou gain pas même si t'es non cependant les conseiller leur va parler pour dire il faut dire non OK non pas dit trop bagaille maintenant en termes de structure une fois que fin présenter tête tout et l'important pour dire hey mais qui ça me fait m'a fait là moi là pour me parler de tel projet que mon gain. OK? Ensuite, qui problème ou identifier qui fait que ou vini avec et qui problème ou identifier. Problème ça on parle un petit peu de lui. Maintenant, on montrer qu'on bien comprendre problème dans tout et puis ou vini avec une solution qui appropriée, qui adaptée avec problème ça. Maintenant, puis devant on a parlé de structure. Évidemment, on va parler de qui marché moins ciblé. Est-ce que c'est petit grand monde? Est-ce que c'est jeune qui est dans l'université? Est-ce que c'est monde qui est adventiste ou bien catholique? Est-ce que c'est monde Port-au-Prince ou bien monde qui habite sous frontière Wanamet là? Est-ce que c'est haïtien ou bien c'est étranger? C'est des questions pour poser parce que dépendamment de solution là, dépendamment de type de business qu'on gagne, chaque solution ça est adaptée à un public donné. C'est une erreur pour que jeune yo pas faire pour dire le moment de qu'est-ce que client yo dire client c'est tout le monde. Non. Client pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui branché là. Il y a des monde qui estime que il y a intérêt dans présentation comme ça au branché. Même pas qu'a dire m'va faire présentation ça pour tout le monde. Bon dit si monde n'a pas intéressé même pour le bon projet. Bon, il y a là, on capable comprendre les logiques que pitching ne doit pas intéresser.
Donc, ça est extrêmement important. Et puis, j'en ai dit là, en termes de structure, puis devant, on a parlé de l'autre aspect dans le business, pour comment on va gérer l'opération, quel équipement on va l'utiliser, comment on va localiser l'entreprise là, et qui force de travail on gagne, combien d'employés on va gagner, qui ça chaque monde va le faire. Et puis devant, on a même parlé de board, est-ce qu'on a un conseil d'administration qui voit chaque monde qui ça porter dans le business là. Et si vous êtes pour ça, vous pouvez aller en détail sur le marketing, comment vous pouvez faire promotion et comment vous pouvez jouer sur le produit hein, pour faire marketing. Est-ce que vous avez des offres qui diffèrent en fonction du public moins ciblé hein? Et donc, c'est autant d'aspects que vous pouvez prendre en considération une fois que vous avez un temps qui est approprié pour ça, une fois que vous assurez autour que vous allez vers l'essentiel. Vous ne pas négliger ça qui est important. OK, m'a juste pick up une question que une monde qui t'a passé c'est nous qui c'est Steve Sylvester Woodgerson qui m'a dit est-ce que c'est plus facile pour échouer lors pas gain une équipe lors présenter que sous gain une équipe pour faire présentation. Et m'a dit ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses, ça dépend de contenu. Si vous avez un contenu, ça, c'est un seul monde qui maîtrise. Et puis, vous avez une équipe de 4 monde, vous pouvez 4 monde présenter, c'est sûr que vous pouvez voir que ça débalance. Vous comprenez? Et ça, il va apparaître surtout là où vous posez des questions. Vous pouvez voir, c'est même monde qui répond à toutes les questions, automatiquement, ça lui fait mauvaise impression. Je dis très mauvaise impression. Nous n'avons pas une équipe encore. Et là, nous ne parlons pas de devoir à l'école, nous ne parlons pas de business. Donc, si. Depuis la présentation, on senti que l'équipe n'a pas balancé. Donc, ça veut dire qu'on a confiance qui est érodée. Maintenant, si 4 personnes sont c'est 4 personnes qui top, ils ont mis business, ils ont sous dossier, ils sont gouattes ou que lié. Pour chaque personne qui a présenté, il a fait interaction, etc. Et dans ce sens, je vais un bel exemple dans la tête. Moi, c'est des écoliers qui fait partie d'un programme que c'est quelqu'un qui est le Diamond Challenge for High School Entrepreneurs. Côté c'est des timon qui ont entre 15 et 18 ans. Yo participé dans concours business et nous fait des séances de coaching pour yo sur pitching. Et gagne une équipe qui ça le fait. Yo pratiquement fait une sorte de mise en scène pendant le pitch là. Et comme si une commence dire une parole, l'autre là il continue etc. Ça montre que gon chimie qui établit entre membres équipe là, gon harmonie qui établit entre eux. Sou capable faire ça ou faire bien, tout le monde pas obligé faire. Ça le pas nécessaire. Mais sou capable faire li bien passer et là bas une belle impression. Donc ça dépend de l'équipe là, ça dépend de ça nous gagne, ça dépend de l'objectif nous voulons atteindre. Et ça va le déterminer est-ce que c'est un monde qui va présenter ou bien est-ce que c'est quatre monde. OK. Work et senti que nous t'a faire toute journée hein? Parce que ou gain matière pour partager avec jeunesse là ou inspiré yo gain un point qui attire attention qui retenu attention c'est que ou dit l'on gain possibilité faire une présentation pas seulement content de vendre ça qui dans présentation mais ça qui arrive que soit vendre yo pas acheter mais que c'est ou même yo acheter parce que ou gen enthousiasme yo yo wè que gon fou gon énergie la kayo ça li vraiment important et nan non tout moun tout moun ki sou Zoom nan tout moun ki sou Facebook m tien Azo merci et soje ban vraiment fier parce que li te joine nan disponibilité pour te ka faire belle présentation ça pour nous. Work. Merci Philippe, c'était vraiment un grand plaisir pour moi tout et m pa konnen mais ou pa ko fin parler avec jeune non work pour retourner au gain bagage toujours pour partager avec eux et m'pa konn sou a fò une invitation à pour Cedel parce que son centre de formation et m'pa konn sou gain deux trois mots à vle di sou Cedel. Bon et moi connais grand pile monde qui branché là qui participe dans un concours que Cedel a réalisé et pour BRH c'est un concours de concept d'affaires et donc nous connais Delia c'était hier soir. Nous a sélectionné 12 concepts mais gain plus de 1900 moun qui soumettent dossier. Donc travail là il est en pile nan men nou et nous connaît deuxième étape là c'est que gen 24 moun qui pral gen pour pitch
Nous espérons grand pile nèg qui te suivent là avec nous. Eh bien, nous qui t'a une question pour capable garder comment capable améliorer Pitcho à l'avenir, capable être en contact avec nous et capable suivre et c'est Delto sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et capable contacter nous vos questions que vous gagnez et comment capable aider nous faire nous un plaisir pour nous accompagner pour nous aider pour capable réussir dans quatre concours ça et peut-être dans l'autre initiative. OK, merci beaucoup Walk et on te rappelle rapidement le nous de Walk André à nous garder Potiwa à nous garder Cedel Haïti. À nous garder un ancien étudiant de CTPEA, à nous garder un ancien boursier de Fulbright, un ancien étudiant de l'Université d'Oklahoma, côté que il était fait agriculture et bon, agriculture. Donc, si nous regardons bien, c'est un full package qui est en façon là. Walk André, jeune, dynamique. Merci encore et groupe Sojé Bank, pas besoin de suspendre et encore. Pas besoin de suspendre, pousser gens d'initiative ça pour permettre que jeunes yo en face avec des jeunes pareils pour apprendre de jeunes yo pour capable inspirer pour capable des citoyens modèles. Merci encore Walk pour nous avoir annoncé Next et SSS Capini, c'est pour le 22 août prochain. N'a bien avec nous sur live là Laura Georges qui c'est directeur de PME Sojé Crédit Réseau PME Sojesol, qui va bien pour parler nous de comment gérer une PME en période de crise en Haïti, petite moyenne entreprise en Haïti. Donc c'est notre attirer attention chaque monde qui a regardé live là que c'est une continuité. Donc la première séance c'était comment présenter son plan d'affaires, le canevas proposé par Marc Alain. Maintenant, on a la possibilité d'être avec Walk André qui nous parle de comment maîtriser la présentation et comment convaincre lors de son pitch. Et bientôt, on aura avec nous Laura Georges, comment gérer en période de crise une PME. Donc, c'est toujours un plaisir. Sojé Bank, groupe Sojé Bank, toujours bon côté nous. Et c'est une initiative qui Québec nous a à cœur pour nous accompagner, jeunesse là. Pour faire jeunesse là senti que tout n'est pas perdu depuis on remplit tête yo croit dans tête yo et garder des jeunes tout cap partager avec yo Walk André et Marc Alain Laura Jones c'est la jeunesse de ce pays qui a partagé conviction yo inspiration yo avec nous pour nous capable reconstruire pays nous. Merci encore Walk, c'est toujours un plaisir et jeune Zola Walk. Dans le calendrier, toujours quitte un espace vide pour Sojé Bank parce que SSS besoin pour parler avec vous encore. C'est le même tableau. Oui, Marc Alain connaît, c'est depuis qu'on convoque Marc Alain. Marc Alain également, pour qu'on finisse parler avec jeunesse là, n'a pas retourné. J'espère que la prochaine fois, n'a bien un calendrier pour tout le monde qui a mis dans l'agenda. Différentes sessions qu'a bien yo. N'oubliez pas 22 août prochain Laura Georges directrice PME Sojesol qui sera avec nous pour une présentation sur comment gérer une PME en période de crise. Encore une fois, conjoncture oblige, mesure barrière, lavez main nous, mettez masque, bail distanciation sociale. Et nous connaissons ça, c'est groupe Sojé Bank qui t'est présenté aujourd'hui à SSS qui c'est Sojé Bank Startup Saturdays. Walk, on va commencer à conclure pour nous. Bon, moi remercie nous pour invitation une fois de plus. Moi t'es très content là avec nous et m'a dit jeune yo, t'as suivi là, tout le monde qui t'est branché, continue de travailler sous tête nous et tout n'est pas perdu. Moi connais condition, c'est pas facile dans pays hein. Mais travaille sur le projet, nous travaille sur le contenu et prépare tout, l'opportunité à venir pour que nous profitions de lui. Pas tant que c'est l'heure annoncée qu'il y a telle opportunité et puis l'heure ça nous va le chercher pour nous préparer nous, mais préparer en permanence, l'heure ne pas attendre pour la bouger pour nous. Merci beaucoup, merci avec tout le monde qui t'est branché sur Zoom, qui t'est branché sur Facebook, qui t'est branché sur
page Bange qui était branché sur Chocarel là. Encore une fois, merci encore Work et merci à Bange. On se revoit le 22 août prochain pour une prochaine séance. Sojibank, toujours bon coteau. SSS, Sojibank, Startup Saturdays.